Et salut! Probably last game for the horror Ouh. walk, and we Allô? have a sudden Et vous m'entendez? huge dip in the number of Oui, on t'entend un logos in petit this peu. video games, Ah, juste un but... peu, pas suffisamment. Ah, là, Ouais, c'est voilà. parfait. C'est mieux. Ça a l'air de commencer tout de suite, donc Many on va people te already laisser. heard about this game. This is a really Et bon classic courage pour le horror game, but... commentaire. Eh ben merci beaucoup. Et du coup, on va partir pour la run effectivement de Alone in the Dark, premier du nom, sur DOS. Jeu publié par Infogrames en 1992 et un jeu donc français créé à l'origine par Frédéric Reynal. Il faut savoir que Alone in the Dark sur DOS, là on va, je ne sais pas si c'est une initiative pour le choix du personnage. Normalement, on joue avec, avec Emily, qui est un peu plus rapide et moins puissante. Pour revenir donc, il faut savoir que Alone in the Dark sur DOS, c'est le premier jeu considéré comme un survival horror. Et on va le voir assez rapidement quand on va voir des images de gameplay, à quel point il a très fortement influencé le genre, étant donné que c'est un des premiers jeux qui va proposer des personnages... modélisé en 3D dans des environnements en 3D précalculés, comme le célébrissime Resident Evil à sa suite. Donc là, on a son écran de choix du personnage où on va pouvoir choisir entre les deux protagonistes, soit Edward Carnby, soit Emily Hartwood. Chacun a une petite différence scénaristique, contextuelle, ça ne va rien changer concrètement au sein du jeu et de l'histoire. Carnby est un détective privé qui a été engagé par une cliente pour aller récupérer un piano dans le grenier de la demeure, là où Emily Hartwood est la nièce du défunt propriétaire du dit manoir, et qui elle va essayer d'aller enquêter sur ce même piano dans lequel il y aurait peut-être un message secret indiquant que son suicide apparent n'en serait peut-être pas tant un que ça. Parce qu'au niveau de l'histoire, donc, le propriétaire du manoir dans lequel on se trouve s'est suicidé en se pendant. Donc là, on démarre directement dans le grenier, où on voit le piano au fond qu'on était censé venir voir, mais on s'en occupe pas. On récupère la lampe, qui va être capitale dans le jeu, et là, on commence à voir le premier problème du jeu, c'est que Alone in the Dark 1 sur DOS est un gruyère. À savoir, on peut passer à travers les angles si on force. La totalité de la run va être constitué de simplement une quête d'objets. On va récupérer simplement tous les objets dont on a besoin pour aller jusqu'à la fin, en passant allègrement à travers les murs. Là, on va encore ouvrir la porte pour créer un angle avec la porte. Et on passe encore une fois à travers pour skipper la salle. Et ici, on va avoir le premier gros skip du jeu, où il fait une petite save de sécurité, où normalement, quand on va quitter cette salle, on va avoir une cinématique qu'on va voir qui va se lancer. On essaie de repartir comme à l'intérieur. Voilà. Et pendant la cinématique où ce monstre arrive, on garde le contrôle du personnage. Et normalement, devant cet escalier, il y a un ennemi qu'on ne peut pas tuer, il est immortel, il faut résoudre une énigme pour le faire partir. Sauf qu'en fait, pendant la cinématique, rien d'autre dans le jeu ne se charge. Ce qui fait que quand on arrive sur cette zone, l'ennemi n'est pas chargé, et comme on se retrouve derrière, quand le jeu reprend, il considère qu'on a passé et que l'ennemi n'est plus là. Donc là, on va continuer à récupérer les objets dont on va avoir besoin pour progresser. Donc on a récupéré pour l'instant la lampe, l'huile pour alimenter la lampe et les allumettes dont on sert pour allumer la dite lampe. Et on continue à partir dans notre petite exploration et dans notre quête d'objets. On va se retrouver ici dans la galerie des tableaux. Normalement, on ne peut pas passer avant un certain temps où il faut récupérer un arc. Et là, il va y avoir un OOB, encore une fois, assez compliqué à réaliser, où en fait, on va sortir, s'éloigner de la salle, revenir à l'intérieur. Et en fait, le but, c'est de se retrouver en OOB, voilà, derrière ce mur-ci. Normalement, on ne peut pas vraiment accéder. Et là, on va en fait continuer à se balader à l'intérieur du manoir, mais sans charger les zones suivantes. Et le but, ça va être d'aller chercher un trigger spécifique pour se retrouver encore une fois dans une salle bien plus loin, auquel on n'est pas censé avoir accès à ce moment-ci. Voilà, on y est arrivé. Ça se passe très bien pour l'instant. Récupérer cette espèce de gros livre en métal sur la commode, qui est une clé dont on aura besoin un peu plus tard pour accéder à une salle secrète dans la bibliothèque. Et maintenant, on va partir tout en restant en AOB jusqu'à cette bibliothèque. On le voit charger sa partie. Ça n'a pas fonctionné. Il faut savoir que se balader en AOB dans Silent Hill, c'est très complexe et très capricieux. Hein.
Silent Hill, pas du tout. Alone in the Dark. Je vais dire Silent Hill la moitié de la run, je pense. J'ai du mal. Voilà. Donc là, il explique qu'il a besoin d'atteindre certains triggers pour charger les différentes zones de la carte afin de les atteindre. Mais ça s'est encore une fois mal passé. Oh. C'est pour ça que certaines personnes, j'ai vu, étaient relativement étonnées quant au fait que la run ne dure qu'une dizaine de minutes. Il faut savoir que le record du monde est à, en tout cas affiché, est à 7 minutes 40 pour une run qui se passe très bien. Et on voit que l'estimate est à 12 minutes, ce qui est quand même le double, parce que sur une run aussi courte, ce genre de OB peut faire perdre du coup au final énormément de temps. Et vu que la plupart des skips, ça va être ce genre d'exploit, une run qui se passe très très mal peut facilement atteindre les 12 minutes. Donc là, on a vu, il a atteint la bibliothèque, on a utilisé la clé sur la bibliothèque secrète pour ouvrir ce passage vers cette petite chambre secrète. On a récupéré un talisman dont on a besoin également pour la fin du jeu. Là, il y a un ennemi qui est normalement immortel et qui nous gêne d'avancer pour la bibliothèque, mais simplement, on n'a plus qu'à sortir de cette bibliothèque. Normalement, qui est fermée à clé, mais vu que là, on en sort par l'intérieur, il n'y a pas de souci. Et là, encore une fois, on va passer à travers le mur pour atteindre directement la cave, qui elle-même est encore une fois normalement fermée. Et on va aller se jeter dans les souterrains sous le manoir, encore une fois par une route qu'on n'est pas du tout censé atteindre, en passant à côté d'un monstre immortel qui nous one-shot. Mais pour un speedrunner, ça va, surtout avec les save states. Petite sauvegarde quand même de sécurité. On se plaque pour attendre l'arrivée du Ténia géant de l'enfer. On attend son attaque, et ensuite on force encore une fois dans l'angle pour passer à travers, et ça ne s'est pas bien passé. Voilà. Et voilà. Et donc là, on tombe en dessous du niveau, dans l'eau, c'est pour ça qu'on voit plus le bassin du personnage, et on va encore une fois continuer à se balader en OOB. Ces souterrains sont assez particuliers. Au niveau de l'histoire, l'antagoniste, qui est normalement à ce moment-là du jeu, on a déjà croisé une première fois en tant que mini-boss, qui s'appelle Ezekiel Prext, j'ai dû bouffer son nom de façon assez notoire, était un pirate à l'âge d'or de la piraterie, qui au final s'est installé, a fait construire un manoir en Louisiane au-dessus de certaines cavernes dans lesquelles il se livrait à beaucoup de rituels de magie noire et de vaudou. Cette OB est assez compliquée. Et un jour, il a été tué par des soldats de l'Union alors qu'il essayait de les tuer lui-même pour ses rituels. Sauf que ses serviteurs dévoués ont infusé son âme dans un arbre qui poussait sous le manoir. Et l'ancien propriétaire du manoir, donc l'oncle d'Emily Hartwood, avait récupéré le manoir à la mort de son propre père à lui, qui s'était suicidé pour ne pas finir par offrir son corps à Ezekiel, ce qui s'est repassé donc avec l'oncle d'Emily, encore une fois, et donc Emily revient enquêter et décide du coup d'arrêter une bonne fois pour toutes Ezekiel en allant le tuer. Donc on l'a vu encore faire beaucoup d'OOB, skipper complètement toute une phase du labyrinthe. Il faut savoir qu'à l'entrée du labyrinthe, il a fait un glitch qu'on voit qui est assez graphique ici. Il a sauté, comme il vient de le faire là, posé un objet pendant qu'il était en l'air, et ensuite il a déclenché son glitch qui a permis de passer en OOB. Mais ce glitch de sauter et poser un objet, ça fait que techniquement le personnage ne va plus être lié au sol. Donc là, c'est pour ça quand on l'a vu entrer dans cette salle, le personnage littéralement marchait dans le vide. Ça lui a permis d'arriver directement à cet endroit sans que sa torche, sans que sa lampe ne s'éteigne en passant dans l'eau. En comptant aussi les esquives des petites animations, à chaque fois qu'on descend d'un petit étage. Et le jeu a planté, j'ai jamais vu ça, c'est un scandale. C'est pas grave, j'espère. Et donc on arrive devant ce boss, on pose le talisman, on lui lance la torche enflammée dans la tronche, et Ezekiel Prext brûle. En tant qu'arbre, c'est plutôt problématique. La petite save state qui a fait plaisir.
Donc voilà, il arrive, il atterrit, il se prend la boule de feu, c'est pas grave, on récupère le crochet dont on aura besoin, on pose le talisman maudit, on lui lance la torche, le personnage, enfin l'antagoniste prend feu, et la petite séquence classique de tout jeu d'horreur qui se respecte, la fuite. Et là, il va falloir simplement maintenant juste fuir du manoir. Donc là, il va relancer un airwalk. Il utilise le crochet pour ouvrir la porte. Là, il est en train d'expliquer le principe du airwalk. Là, il le relance, on voit qu'il saute, il utilise la commande pour poser l'objet, sauf que le jeu ne pose pas l'objet, et il continue à progresser. Là, on le voit pas, mais techniquement, il ne marche pas dans le sol, il marche un petit peu au-dessus, et ça va bien se voir dans cette salle-ci, où il va complètement over, au-dessus de toute la salle, en esquivant la grosse phase de plateforme qui, évidemment, sur DOS, comme ça, sur des environnements 3D précalculés, est absolument épouvantable. On passe un petit OB facilement, et on va essayer de re-rentrer ici. Ça peut mal se passer, mais là ça a l'air d'être plutôt bien parti. Et voilà. Et voilà, et là maintenant il n'y a plus qu'à fuir le manoir. Open the door and go out. And that's pretty much the run. Oh, by the way, I jumped out of cave because that's a little bit faster than crawling out of it. So yeah. Anyway. Il faut savoir que pendant toute la run, on ne peut pas sortir du manoir. On a accès à la porte d'entrée, mais on ne peut pas sortir. Parce que si on l'ouvre, une espèce d'entité maléfique dehors qui nous tue directement, comme plusieurs endroits dans le jeu. Mais là, maintenant que Ezekiel est mort, il n'y a plus de danger. D'ailleurs, tous les monstres du jeu sont morts en même temps qu'Ezekiel, à l'exception du gros ver qui, lui, était là avant. Et time. Et voilà, une petite run, bouclée en moins de 10 minutes. Et on voit que, malgré le fait que pas mal de choses se sont bien passées, il suffit d'avoir un tout petit peu de mal sur deux passages, et on prend tout de suite 2 minutes de plus que sur un world record pour une run qui en dure à peine une dizaine. Mais c'est le classique des runs aussi courtes, où tout de suite la moindre erreur est très très punitive. And also, I believe they are preparing for the segmented run. And for some, this game somehow has. Et voilà, c'est tout. C'était le premier Alone in the Dark sur DOS, où on n'a pas vu grand-chose du jeu, parce que comme je l'ai dit au début, c'était un véritable gruyère. Pour le coup, on passe vraiment à travers chaque mur qui nous embête un petit peu. Thanks for having me. I hope everyone have a great day. So thanks everyone. Et pour parler du coup du runner. La Plastic Rainbow, qui était du coup le tenant du record du monde, évidemment. Hello. Et re. Ah. C'était court. Bah, mais c'était chouette. Très chouette. C'est une run qui est assez sympa. Encore bien cassé, le jeu.